En cette fin d'après-midi, dans la banlieue de Strasbourg, l'équipe du Mont-Saint-Odile vient prendre possession d'un véhicule pas comme les autres. Oh là, c'est magnifique. Hein. Ça reprend la police de la... du livret. Oh là, super. Oh. La découverte de la camionnette se fait dans la bonne humeur et même avec une certaine émotion. Bon, c'est un peu émouvant parce que c'est et un aboutissement et un départ. L'aboutissement parce que ça y est, la caravane prend forme et a une présence physique et réelle. Et un départ parce que maintenant, elle va partir sur les routes de l'Alsace à la rencontre des Alsaciens pour que dans tout le diocèse, on puisse vivre ce grand jubilé de Saint-Odile, annoncer l'évangile et Jésus. C'est pas mal, non ? Elle est magnifique. Bon, c'était le but, un peu, c'est que ce soit visible. Le vitrail de Saint-Odile, il donne bien. Bon, déjà en octobre, on sentait que les temps allaient être compliqués et qu'on ne pourrait pas accueillir des grands groupes au Mont-Saint-Odile jusqu'à la fin du printemps. Maintenant, on sait même que ça va être un peu plus tard que la fin du printemps. Et il fallait, pour moi, que ce grand jubilé puisse absolument se vivre. Parce que... Et donc, l'idée d'une caravane missionnaire de Saint-Odile est née comme ça. Destinée à transporter les reliques de Saint-Odile et des éléments d'exposition, la camionnette affiche tout un message grâce à un habillage particulièrement soigné. Le but, c'était que la camionnette soit notre moyen de communication itinérant et qui annonce que quelque chose se passe là où elle est garée. Une caravane missionnaire, ça ne parle pas à tout le monde. Elle sera devant une église, ça parlera déjà peut-être un peu plus. Il y a un vitrail de Saint-Odile qui nous rappelle que c'est le grand jubilé de Saint-Odile. Et le thème de ce grand jubilé, le mot d'ordre de ce grand jubilé, c'est « Venez et voyez » qui est sur le dos de la camionnette pour vraiment inviter les gens à venir vivre quelque chose là où se trouve la camionnette. La caravane du Grand Jubilé a commencé son parcours en Alsace depuis le 6 mars. La patronne de l'Alsace, waouh ! Après la zone pastorale de Molsheim-Brüsch, c'est au tour de celle de Wissembourg de la recevoir, et particulièrement aujourd'hui, la paroisse de Schleitheim. Elle est sainte, Saint-Odile. Elle protège l'Alsace. Avec l'UAP, nous avons pensé que nous pourrions axer un temps de prière avec les enfants, avec des jeunes, et puis ouvrir aux paroissiens de la paroisse, tous ceux qui voudraient venir prier, vénérer le relique. Voilà. Ce sera cet après-midi, et puis demain aussi à Sebar, pour les paroissiens des villages. Je suis ton enfant. À partir d'une exposition sur la vie de Saint-Odile, des chemins jubilaires et d'un livret du pèlerin, chaque paroisse a la liberté d'organiser concrètement cet événement. On va essayer de vous montrer quelques images du Mont Saint-Odile. Quels sont les événements de la vie de Saint-Odile que retiennent ses enfants ? C'est une fille qui a été abandonnée par son père et qui était aveugle. Et c'est des religieuses qui l'ont accueillie. Et quand elle s'est fait baptiser, elle a retrouvé la vue. Et à 12 ans, ils lui ont donné le nom de Odile. Et maintenant, elle protège l'Alsace. Elle a retrouvé la vue grâce à Dieu. Et donc, Dieu aussi, il aide les malades. Et bah, il a déjà aidé beaucoup mon papy, parce qu'il est très malade. Et voilà. Il est encore en vie, donc... Vous avez ce qu'on appelle un rébus, vous voyez ? Présenter la vie de Saint-Odile, ce n'est pas seulement de l'histoire, mais c'est aussi dire le lien entre cette vie et celle des chrétiens d'aujourd'hui. C'est un cadeau de Dieu qui rend heureux. Que les enfants que ça puisse leur parler aujourd'hui, que ça puisse être un modèle et qu'elle puisse être quelqu'un aussi qui quelque part nous ressemble. Donc à travers les étapes de la vie chrétienne que Saint-Odile a vécu, que les enfants... ressentent qu'eux aussi, ils sont appelés à vivre les mêmes étapes. Donc on était parti du baptême de Saint-Odile, puis ensuite les autres étapes de la vie chrétienne, l'expérience du pardon, l'expérience de la prière, l'expérience de la charité et l'expérience de l'Eucharistie. Passons maintenant dans l'église sans oublier le sac du pèlerin reçu par chaque enfant, contenant plusieurs objets symbolisant la vie de Saint-Odile.
On a reçu une bougie. Oui. Alors ça sert à quoi cette bougie? Ben, on peut l'allumer. On a reçu un gobelet. Il y avait la bougie dedans. On a aussi reçu un livret de Odile. Et on a encore reçu un chapelet, une petite croix, des boules de couleur pour le chapelet. D'accord. Et le chapelet, ça sert à quoi, le chapelet? Bah, c'est comme une messe, mais un plus petit. Et ça sert à compter les prières. Et tu avais eu l'occasion de déjà faire des prières avec le chapelet? Oui, au Mont-Saint-Odile, parce que j'y suis déjà allée. Vas-y, doucement. Dans l'église, les jeunes sont invités à vénérer les reliques de Saint-Odile, un geste qu'il faut expliquer. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, ça ne leur disait pas grand-chose. Ils ont pu voir donc l'objet concret de ce qu'était une relique. Et on a essayé de leur expliquer que cela faisait mémoire de la présence, de la vie de Saint-Odile, et qu'à travers les siècles, les chrétiens avaient continué de la prier, de l'imiter, de s'appuyer sur sa vie pour leur propre vie. Et donc, voilà, on a besoin de concret aussi. Donc, les reliques, c'est peut-être, c'est du concret. Les enfants, notamment, ont besoin de concret. Au cours de cette journée, le groupe des confirmants est invité, lui aussi, à venir rencontrer Saint-Odile, accompagné par le père Johann. Même si votre nom ne sera pas marqué et canonisé comme d'autres, d'accord ? Parce que toute personne qui est au ciel est obligatoirement un saint. Fermez les yeux, ne vous laissez pas déranger par les autres, voilà, c'est important, vivez-le. C'est pas tous les jours qu'on peut être en présence d'une relique, voilà. C'est au tour de tous les paroissiens d'être appelés à venir découvrir et célébrer Saint-Odile, certains étant un peu là par hasard. En fait, c'était coïncidence. Je suis allée chez une amie, elle m'a écrit, il y a une relique de la Sainte Odile. Et comme on était là-bas il y a un an et qu'on avait fait un week-end là-bas, c'était très impressionnant, c'était très touchant, quoi. Parce que on s'est un peu informé qui était cette sainte, et puis c'était touchant. Comme on fait beaucoup de trucs des saintes, on fait la recherche des saintes, des reliques, on adore ça. Bon, on est un peu dans le monde spirituel. Notre foi en Dieu, au Christ, en l'Église toujours, soit toujours pure, sereine, courageuse, forte et généreuse. Sainte Odile, modèle d'espérance, prie pour nous. Beaucoup de paroissiens, à travers des années maintenant, se rendent au Mont-Saint-Odile pour le temps d'adoration perpétuelle. Et là, pour une fois, c'est Saint-Odile qui vient à nous. Et ça, c'est une chance, une grâce qui nous est donnée. Alors, d'un côté, merci la pandémie, même si on a hâte qu'elle parte au plus loin, mais ça a permis quand même qu'elle vienne auprès de nous. Pour conserver la mémoire de chacune des étapes de la caravane, chaque paroisse ne doit pas oublier de remplir un document. On a ce qu'on appelle un livre d'or. Donc, comme Saint-Odile traverse toute l'Alsace, et bien dans ce livre d'or, par exemple, vous pouvez voir les différentes communautés de paroisses dont elle est passée. Et puis chaque paroisse est invitée à tout simplement mettre ce qui s'est passé durant ce temps. Ça peut être une prière, ça peut être une photo. Par exemple, dernièrement, pas loin de chez nous, du côté d'Eschbach, où il y avait la messe des familles avec les reliques de Saint-Odile. Donc il y a quelques photos de ce passage-là, un souvenir, de ce temps de grâce qui nous est donné. Et donc nous, on a aussi notre page, un peu plus loin, la communauté de paroisse, la plaine d'Alsace du Nord. Donc après le passage
des reliques encore demain dans le village de Sébarbe. À notre tour, on mettra quelques photos pour illustrer ce livre d'or et remercier Saint Odile de son passage chez nous. Voilà. Voilà. Voilà donc. Ah ouais, non, c'est très bien. Le véhicule est éclairé à l'intérieur et qu'il fait nuit dehors, on verra quand même à l'intérieur. Ah oui, non. Mais on voit quand même à travers. Ah oui, très bien, oui, oui. Ouais. Oui, ça gêne pas du tout. Ça gêne pas les passagers. Ah non, non. Au revoir. Jusqu'à la fin de l'année 2021, la caravane du Grand Jubilé va sillonner les routes d'Alsace pour faire vivre l'héritage de Saint-Odile. C'est parti.